Et salut et bienvenue sur la No More TV, vous êtes en compagnie de Molrog. Ça y est, nous avions terminé BioShock premier du nom, avec une fin relativement méchante. Mais ça y est, on a terminé pour l'instant Rapture, la ville sous-marine, et nous allons partir sur un nouveau BioShock qui donc date de 2013, hein, réellement moins vieux, moins ancien. Alors un BioShock qui a été un petit peu décrié à sa sortie parce qu'il est... On va dire, allez, on va utiliser des mots qui sont des vilains mots. Il s'est, entre guillemets, Call of Duty-isé, on va dire ça comme ça, dans le sens où il est beaucoup plus porté sur l'action, il est beaucoup plus bourrin. Je trouve, personnellement, je suis moins fan de l'utilisation des pouvoirs, qui ne seront plus des plasmides dans celui-ci. Mais bon, ça, je vous laisserai juger par vous-même. On va lancer l'aventure. En tout cas, il y a une mécanique de gameplay qui est magistrale dans celui-là. Comme d'habitude, les OST, ils vont être craqués. L'ambiance va être craquée. Et bien évidemment, c'est un jeu que YouTube adore pour les strikes. On va faire une nouvelle partie. Vous allez écraser la sauvegarde, oui. Nouvelle partie. Et bien évidemment, on va le faire tout comme son grand frère BioShock 1. On va le faire en difficile. Si vous avez beaucoup joué à des FPS et que vous appréciez les défis, choisissez ce niveau. Nous avons également le mode 1998, mais on va pas le faire. Très, très... Très grosse ambiance et très grosse écriture, BioShock Infinite. Booker, est-ce que vous craignez Dieu ? Non. Mais je te crains, toi. J'ai déjà des frissons, je vous le dis tout de suite. L'esprit du cobaye tentera désespérément de créer des souvenirs lorsqu'il n'en a pas. Barrière au voyage transdimensionnel. R. Lutès. 1912. Côte du Maine. Dis-moi, tu vas rester planté là ? Tu veux que je fasse quoi ? Que je danse ? Danser, non. Que tu rames. Ramer ? Mais j'avais pas prévu de ramer. Donc, tu voudrais que je m'occupe c'est quoi de tout ? Non. Je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui. Et en quel honneur ? C'était ton idée de venir ici. Mon idée ? Je t'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice. Quoi ? Ramer ? Non. Ça, c'est un exercice épatant. Quoi alors ? Toute cette expérience de pensée. Excusez-moi, c'est encore long ? Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout. Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Tu ferais bien de ramer, sinon on n'arrivera jamais. Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Je suis déjà complètement hypé. Pourrait t'aider ? J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port. Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça ? Parce qu'il ne rame pas. Il ne rame pas ? Non, il ne rame pas. Oh, la narration de ce jeu. Je vois ce que tu veux dire. Tellement monstrueux. Nous y sommes. Il ne bouge pas. Il va bouger. Tu vas voir. Tu dois avoir raison. D'après toi, on doit lui dire quand on reviendra. Quelle différence ça ferait ? Ça le rassurerait peut-être. Pour une fois que nous sommes d'accord. Hé ! Y a quelqu'un qui m'attend ici ? Je l'espère vraiment pour vous. Il ne doit pas faire bon se retrouver là tout seul. Bon, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Ouais, ça te rappelle quelque chose, le présentateur ? Ouais. Ah ouais. Tout commence par un phare. Donc voilà, après ça va se construire de la même façon, on va ramasser de la money, on va débloquer des pouvoirs, ça, jusque là ça reste du BioShock. Maintenant on peut courir, petite nouveauté dans celui-ci. Bon après le jeu reste basé sur de l'exploration malgré tout. Hein. Là on va pas être très très dépaysé, vous pouvez le remarquer. Excusez-moi. Je suis Booker DeWitt. Ramenez la je fille. Je suppose que vous m'attendez. Et nous effacerons la dette. De tes péchés, laisse-moi te purifier. Donc nous sommes Booker DeWitt. DeWitt. Eh ben, ça a l'air sympa. Mais ouais, t'as raison le présentateur. Manque plus qu'un crash d'avion et on y est. Y'a quelqu'un là-dedans ?
Eh oh! C'est ça le présentateur, t'as tout compris. Ah, c'est ballot. On pourra pas appeler le téléphone rose. Tenez-vous prêt, il arrive. Vous devez l'arrêter. Donc ici, les sous-titres interface, comme dans le premier, pareil, faut les activer. Et cette fois-ci, il s'affiche en haut à gauche. Il me semble qu'il s'affiche au milieu de l'écran sur BioShock premier du coup. Toujours cette petite ambiance des familles. Oh putain. Merde. T'es trop moche au point de lui mettre un sac sur la tête, c'est ça l'idée? Ne nous décevez pas. Bien. Première énigme. Ma foi, fort facile. Mais attends, cette carte. Ce qu'on a vu dans la boîte au début, hein, bien évidemment. Donc parchemin, clé-clé, épée. Mais qu'est-ce que c'est? C'est rencontre du troisième type. Ça a déjà une putain de gueule. Mais que se passe-t-il? L'écran scintille, les nuages clignotent en rouge. Je crois que je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil. Et là tout le monde se dit, mais pourquoi il fait ça? Mais qu'est-ce qui se passe là? Serait-ce une bathysphère? Comme BioShock? Non, 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 ah. Bordel de merde! J'avais un flingue. Attention. Début de l'ascension dans 5. Non, 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 non! 2. 1. Non! Attention. Attention. Allez, bouquin. Nous sommes la fin du pied. 10 000 pieds. 15 000 pieds. Alléluia. Oh putain. Ah, les musiques dans celui-là. Comstock, notre prophète. Ah, ça, nous avons atterri. Ah, vous avez cru qu'on allait repartir dans les fonds marins, bande de petits coquins. Hein.
Et non, cet infinite change complètement de décor. Trouver un moyen d'entrer dans la ville. On va surtout trouver de la thune pour rejoindre plus facilement votre objectif en cours. Bon, voilà. Modernisation également du système pour trouver les quêtes. Bon, ça encore, c'est pas pour être. C'est pas pour gêner ça. Mais... Centre d'accueil. L'agneau, l'avenir de notre ville. Oui, parce que la première chose qu'on fait en arrivant dans une contrée inconnue et relativement à chelou, c'est bien évidemment d'aller fouiller tous les contenants qui traînent et de voler toute la thune qu'on peut trouver, bien sûr. Excusez-moi, présentation. Je suis où? Au paradis. Enfin, ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier. Vaut mieux pas poser de questions. Je veux pas me faire remarquer. Ouais. On va juste continuer à vous voler tout votre argent. M'en voulez pas, hein. Aimez le prophète, car il aime le pécheur. Aimez le pécheur, car vous êtes le pécheur. Et sans pécheur... Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Sans péché. Quelle grâce pour le pardon. Donc encore un jeu qui va être également parsemé d'enregistrements audio. Mais par contre on va être bien plus... il est bien plus scénarisé visuellement. Donc, et chaque année, en ce jour de fête et de célébration, nous réaffirmons notre engagement envers notre cité et notre prophète le père Comstock. Nous nous rengageons par le sacrifice et par l'action de grâce et en nous plongeant dans les eaux du baptême. Car oui, si le prophète avait frappé nos ennemis à Undini plutôt que de s'insurger contre la menace de la Sodome inférieure, cela aurait suffi. Si le prophète s'était insurgé contre la menace de la Sodome inférieure et avait refusé les trois dons en or des fondateurs, cela aurait suffi. Si le prophète avait accepté les trois dons en or des fondateurs et n'avait pas prié pour notre délivrance, cela aurait suffi. Si le prophète avait prié pour notre délivrance et ne nous avait pas menés au Nouvel Éden, cela aurait suffi. Si le prophète nous avait menés au Nouvel Éden et n'avait pas éliminé les vipères de l'Orient, cela aurait suffi. Si le prophète avait éliminé les vipères de l'Orient, mais n'avait pas subi le sacrifice de sa bien-aimée, cela aurait suffi. Il en a fait si des choses, hein. Si le prophète avait subi le sacrifice de sa bien-aimée, mais n'avait pas chassé la Vox Populi, cela aurait suffi. C'est à nouveau. Il vient de la Sodome inférieure qui nous menace. Les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète, nos fondateurs et notre seigneur. Je voudrais entrer dans la ville. Entrer dans la ville? Mon frère, la seule façon d'entrer à Columbia, c'est de renaître dans les douces eaux du baptême. Acceptes-tu d'être purifié, mon frère? Soit bon, alors... j'accepte, soit j'ai plus qu'à repartir sur ma fusée. Autant me débarrasser de la corvée. Voilà, tout simplement. Hey. Je te baptise au nom de notre prophète, au nom de nos fondateurs, au nom de Sainte Columbia. Non mais en fait, j'étais venu voir pour... Non mais en fait, je cherche une fille. Non mais je... Qui est là? Qui est là? Ramenez la fille, et nous effacerons la tête. Vous voulez quoi? Nous avions un marché, DeWitt. Ouvrez cette porte, tout de suite. Je vous l'ai dit, je refuse de le faire. Allez-vous-en. Monsieur DeWitt. Monsieur DeWitt. Mon Dieu. Une vision apocalyptique. Headshot. Donc on vient de se faire à la suite noyer et atomiser. Comment savons-nous qu'il s'agit d'une idole? Pouvons-nous faire confiance à notre propre fierté? Non, notre fierté en est incapable.
Ce crétin de pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade. Je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé. Notre foi pour notre prophète, le père Comstock. Pour que nous puissions suivre la voie... Notre prophète emplit nos poumons d'eau pour leur faire apprécier l'air. Voilà, donc on est passé des gros teubés de Rapture aux gros fanatiques de Concordia. Ah, on pourrait presque enregistrer un Disney. Toi qui franchis le Delaware, avec une épée de feu et des ailes angéliques. Modèle de vertu, prêt à combattre l'ignorance et la tyrannie. Au nom de l'épée, du parchemin et de la clé. Amen. Vous avez pas besoin d'argent en fait, vous. Hein, on est d'accord. Cerne l'extraordinaire. Ton inspiration et ton imagination transcendent la science. C'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génies. Enfin, j'ai une gamine à trouver, moi. Je peux vous dire que visuellement, quand ce jeu est sorti, il claquait les yeux, et il claque encore parce que le paysage est juste magnifique. Et Yominitoke, voleur en l'argent, non. C'est bon, ils s'en servent pas, regarde, ils sont assis dessus. Et je pense qu'on doit pouvoir arranger ça. Bonjour. Je peux prendre un petit hot dog? Ah, c'est un copain. Oh là là. Eh, c'est des bros. T'as peut-être une crampe, non? Un scout de la liberté n'aime pas. Il n'est pas question de préférence, mais de devoir. Rappelons-nous le divin pardon de notre chère Madame Comstock, notre sage de... Saltonstall est pas si mal, moi je dis. Il dit qu'il aime la foi, la famille et la patrie. On peut pas être contre tout ça. Bien. On va avancer, hein. N'embauchez jamais d'artistes, mon bon ami. C'est une race caractérielle sur laquelle on peut jamais compter. On a quand même une quête, hein. Je lui ai dit, le... Ramenez-nous la fille et nous effacerons la dette. Apparemment, Booker dit oui, t'as une dette. Vox populi par-ci, la vox populi par-là. Non, et puis ça veut dire quoi, au juste, la vox populi? La voix du peuple, ma grande dame. Ah, trop bien. La vision d'une grande ville. Voilà, on a un espèce de... On était engagé pour kidnapper quand même, kidnapper une fille. Hein. C'est pas très joli, joli. Tombola de Columbia. L'épée lui réussit. La clé et le parchemin un peu moins, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qui cette fille? Le faux berger ne cherche qu'à égarer notre agneau. C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. Télégramme, monsieur DeWitt. Nice. Un télégramme pour vous. Mais qui sait que je suis là? Étonnant. DeWitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que... Ça fait très message à la Tintin. Stop. Oh, de l'argent. Donc nous, on doit aller là-bas. Et si je vous disais qu'un homme peut faire s'élever un animal d'une tonne dans les airs, me croiriez-vous?
Eh bien, mes amis, je viens vous le dire. Ce ne sont pas des billevesées. Ce ne sont pas de ces histoires qu'on raconte au bar. Non, messieurs, non, mesdames. Je vous parle là des toniques proposées en exclusivité par monsieur Jeremiah Fink. Venez découvrir l'incroyable puissance de la déferlante. Pour lever, retourner ou projeter les obstacles, n'attendez plus, la déferlante est là. Protéger la femme et l'enfant. La déferlante est là. Shooter le démon 3 fois. Et voilà le premier démon. Et deux. Bon là c'est un peu le tuto du démon numéro 2. Le tuto des plasmides. Enfin c'est pas des plasmides, c'est des toniques sur Infinite. Nice. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de lever, money, money, money. Ce sont les jeunes qui ont eu l'idée de se faire. Eh, donne ta barbe à papa là. Eh, donne ta barbe à papa. Montrez ce que vous savez faire en traquant Daisy Fitzroy. Allez, je vais essayer. Faire un peu de shoot. Alors, 20 points, on a encore des pas mal de pognon. Oh vache, la sensibilité elle est... Waouh. Je baisse la sensibilité, ça craint. Headshot. Oh, la sensibilité elle est un peu trop violente. Easy. Mais bon, ça, première place, hop là. On fait des kamas. Ça, c'est du gros bébé, ça. Tu as déjà vu un spectacle pareil? On peut se schnouffer comme ça dans la rue. Oh ouais. Oh. Ah, c'est de la bonne. Vous connectez à votre moitié. Alors, il est temps de reprendre le contrôle aux machines. Avec possession, c'est vous le maître. Faites obéir n'importe quelle machine. Je vais en prendre un. Notre premier tonique. Un simple murmure. Ils sont à vous. Hentai. Je vais t'en reprendre une autre, hein, c'est de la bonne. Press to turn machines into allies. Parce que possession est équipée, appuyez sur le clic droit pour rallier une machine à votre cause. Qu'est-ce que c'était que ça? Bah ça s'appelle de la drogue. Grosso modo. Désolé l'ami, ce n'est pas possible. D'où les billets. Allez, tiens, mais voilà notre faux député Buford. On vous attend à la tombola. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous êtes pas. Pile ou face? Allez, laissez-moi passer. Pile ou face? Allez, on lance la pièce. Face. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant, en définitive. Courage, on verra la prochaine fois. Tu as sans doute raison. Eux, ils sont extrêmement chelous, mais ils sont extrêmement cool. On va les voir assez souvent. Regardez ça, c'est pas trop stylé. Ah, et, hein, oui. Lâche les enfants à la paix. À qui oublie d'être sage, qui propose de longs voyages. Oh, y a de l'argent. Oh, ces gens qui ont les trouches. Les trouches. Les poches trouées. J'ai fait une fusion entre les mots de ma phrase. Tous les gars de la division en ont un. Si on veut réussir à débarrasser l'aérotram de la Vox Populi, on doit être équipé. Ils recrutent pas dans le groupe? Ah, j'aimerais bien cogner sur la Vox Populi. Et Arlutes a donné à Columbia ses ailes. Madame Lutes, j'ai lu tous vos livres sur les sciences. Maman me dit, ce n'est pas le genre de loisir auquel doit s'adonner une jeune femme, mais je pense qu'elle est simplement jalouse de notre intelligence. Est-il vrai que vous êtes la seule personne autorisée à rendre visite à l'enfant dans la tour?
Si la pauvre petite se sent délaissée, je me propose de la rencontrer. Nous avons tant de choses en commun. Mes sincères salutations, Constance. Qu'est-ce que... Oh mais de comme par hasard, vous reconnaîtrez le faux berger à sa marque. Nous sommes le faux berger de BioShock Infinite. Alors, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, on est déjà à 30 minutes de VOD. C'est pas grave, c'est très très bien, même comme ça on aura fait une petite VOD introduction à l'univers de BioShock Infinite. Et on passe aux choses sérieuses dans la prochaine. Allez. Comme d'habitude, j'espère donc que ça vous a plu, j'espère vous retrouver pour la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas bien évidemment, pour ce qui est de la VOD, allez faire un tour sur Twitch, pour nous follow sur Twitch. Comme ça, vous pourrez également suivre notre live sur Twitch. Allez, à plus tard pour du BioShock Infinite.